Et bienvenue sur la chaîne Messorum Naturel. Alors aujourd'hui, on va parler d'une espèce un peu particulière, les Tisrocs, les écophylles. Donc une fourmi qui a deux couleurs de style en fait, entre guillemets. On va faire les grandes lignes, on fera une vidéo un peu plus dans les. On va dire, on expliquera un peu plus dans une prochaine vidéo, le temps que moi je puisse aussi apprendre un peu plus sur cette espèce parce que c'est pas un domaine où j'excelle. Donc, comme tout le monde, j'apprends sur cette espèce pour pouvoir justement essayer de réussir. Donc, vous avez des australiennes qui vont être un peu plus vertes au niveau ouvrière. Bon, la gyne est toujours verte par contre. Et vous avez aussi tout ce qui vient d'Asie, etc., où les ouvrières vont être un peu plus du côté marron. Donc, bon, moi, ce sont celles qui viennent d'Asie. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette espèce. Après, c'est une espèce qui est assez agressive, qui a vraiment son territoire. Faut pas qu'une autre espèce vienne sur son territoire, sinon c'est la guerre directement. C'est assez agressif comme espèce. Ensuite, les écophylles, c'est une espèce qui réunit pas mal aussi de choses que j'aime bien chez les fourmis, c'est-à-dire qu'elles ont une très bonne vue. Au niveau des. Elles font de l'acide formique pour se défendre ou pour attaquer. Elles ont, au niveau des phéromones, c'est bien développé aussi. Elles ont vraiment pas mal d'atouts par rapport à beaucoup de fourmis qui n'ont pas, par exemple les messors qui ne voient pas très bien, vont plus être basés sur d'autres choses. Elles ont vraiment un petit truc, un petit complément. En plus, elles ont une façon de bouger, de regarder, etc., qui est vraiment excellent. Donc, moi je les ai laissés en tube de fondation. Je vais vous montrer après comment j'ai fait mon petit setup. Donc, je me suis entouré de personnes qui ont réussi. On va essayer. Attention, c'est une espèce que je déconseille aux débutants ou aux gens qui ont très peu d'expérience dans la Myrmeco parce que c'est une espèce qui peut très vite être bien et tomber directement et tout perdre en très peu de temps. Donc il y a beaucoup beaucoup d'échecs sur tout ce qu'on peut voir actuellement ou l'année dernière, etc. Il y a eu beaucoup beaucoup d'échecs, très peu ont réussi. Donc on va essayer une seule fois parce que j'aimerais vraiment au moins réussir, essayer au moins une fois et j'espère réussir. En tout cas, je me suis entouré de professionnels, de personnes qui ont réussi aussi. Et on va essayer de faire au mieux. Et si j'arrive à réussir, je vous donnerai comment j'ai pu faire exactement, etc. Et puis, après, ma façon de faire ne marchera peut-être pas chez vous, hein. Chacun peut avoir une façon de faire qui est différente et qui va fonctionner. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire un peu sur les écophylles. Je vous dis, je vous ferai une autre vidéo un peu plus travaillée où on en parlera un peu plus sur le sujet. Là, pour l'instant, je viens de les avoir. Je suis en train de vraiment faire de l'observation avec elles pour apprendre pas mal de choses. Donc, c'est une espèce franchement que je kiffe vraiment, que j'ai pris chez mon fournisseur, hein, Fourmium, comme d'habitude, de toute façon. Et puis, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans le terrarium, comment j'ai fait. Juste avant ça, je vous montre un petit peu en image, voilà ce qui va être à gagner. Petit concours, mais uniquement, alors ce ne sera pas sur la vidéo qu'il faut participer. Il faut être abonné à la page Facebook Messorum Naturel. Et là, je vais faire une vidéo. Et vous marquerez, je participe, et puis je vous donnerai un numéro pour faire un tirage. Et on fera ça uniquement sur la page Facebook, parce que je veux que voilà, il y a aussi des concours sur la page Facebook pour les gens qui sont là, qui postent régulièrement, etc. Donc je vais faire un concours sur la page Facebook uniquement et pas sur la chaîne YouTube. Donc ça sert à rien de marquer je participe sur la vidéo, ce sera pas sur la vidéo, ça sera sur la vidéo de la page Facebook. Donc elle sera mise dans la semaine, et puis vous aurez ça à gagner. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un petit côté messor, mais en même temps, voilà, ça a de l'acide formique, c'est assez agressif, hein, ça fait des gros pouvoirs de recrutement, etc. Franchement, c'est une superbe espèce. Donc, il y en aura une à gagner. Et puis, je vous dis sur la page Facebook. Donc, allez, nous, on revient sur nos écophiles et on va aller voir un petit peu comment j'ai fait le terrain. Et puis, on va aller voir les premiers pas qu'elles ont fait. Voilà, j'ai juste kiffé. Ça sera en musique parce que tout simplement, j'ai préféré apprécier moi tout seul ces moments-là et ne pas parler, juste apprécier. Et voilà, j'ai voulu vraiment faire mon petit kiff à moi et j'ai pu vous le filmer en même temps, donc tant mieux. Je vous fais partager. Allez, c'est parti. Donc voilà, les amis. Donc, on a fait une petite cuve qui est totalement fermée avec des aérations. J'ai mis une petite lampe voilà, pour pouvoir faire un petit éclairage. Et j'ai deux petites plantes, hein, donc je vous donnerai le nom un peu plus tard. Je ne sais pas retenu le nom de ces plantes-là, mais bon, c'est des plantes qu'on trouve facilement en jardinerie, etc. J'ai mis donc un petit socle, on le voit ici,
Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, on le voit ici, un petit socle rempli d'eau. J'ai un tapis chauffant qui est derrière, donc ça me permet de d'avoir la bonne température. Donc là, je suis à 26 degrés à l'intérieur. Donc ça se passe plutôt bien. J'ai mis un peu de sunburst, on le voit sur les deux planches. J'ai mis une petite plaque histoire que le tube de fondation est là-bas. Et bon, on voit, elles se promènent. Là, elles sont en train de manger, tirer l'insecte. Donc c'est très bien. Et puis elles n'ont pas quitté leur tube pour l'instant. Bon, elles sont pas encore assez nombreuses. Mais j'ai préparé un tube qui est plus haut. Donc je vais vous montrer un petit peu. On va dézoomer un peu. Voilà. Donc là, j'ai mis un tube là qui est ici. Elles iront quand elles iront. Hein. Il faut pas les forcer. Donc voilà un petit peu comment je fais mon setup de petites plantes. Voilà, elles peuvent pas s'échapper par la petite gamelle entre guillemets d'eau. Au moins, je suis tranquille. J'ai mis quand même un peu d'évasion au-dessus. On sait jamais s'il viendra avoir. Ça viendra toucher. Il y a la sonde qui passe par derrière, qui redescend. Comme ça, j'ai la température vraiment impeccable à l'intérieur. J'aurais mis des petits morceaux de verre, de farine. Et bon, elles kiffent ça en tout cas. Et puis, le niveau du sunburst, bon, bah, ça c'est pareil. Ils ont bien apprécié. Donc, pour l'instant, ça se passe super bien. Depuis que je les ai reçus, je les ai mis dedans. Donc, j'espère que ça va continuer. Maintenant, on verra avec le temps. On sait que c'est une espèce qui est très, 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 très compliquée à maintenir à long terme. Donc, on verra sur du long terme. On ne peut pas créer victoire tout de suite avec cette genre d'espèce qui est très compliquée à maintenir. Donc, voilà. Si vous voulez un jour vous lancer dans cette espèce, voilà, prévoyez un grand setup pour plus tard. Entourez-vous de personnes qui ont réussi parce que c'est une espèce qui est très compliquée. Beaucoup de pertes, on a pu voir un peu tout ce qui était à vendre. Et on voit bien aussi que voilà, il y a très peu de personnes qui arrivent à réussir, malheureusement. Donc moi, je me suis entouré de personnes qui ont réussi. Et puis, on va espérer que ça marche, hein, tout simplement. Moi, j'aime bien les défis, hein, donc là, c'est un gros défi. Mais bon, on verra bien ce que ça donne sur du long terme. C'est vraiment là qu'il faut voir sur le long terme. Donc là, je vais vous laisser en image avec les premiers pas de mes écophiles. Et puis, on fera un petit suivi de temps en temps pour vous donner des nouvelles, etc. Je vous donnerai plus de détails sur une prochaine vidéo pour justement vous donner plus de paramètres, etc. Là, pour l'instant, je teste, je vois si ça se passe bien. Et si ça se passe bien, je vous transmettrai tout comment j'ai fait exactement pour pouvoir vous donner ma façon. Qui n'est peut-être pas la meilleure, ce n'est peut-être pas ici ou cela, hein, c'est ma façon de faire en tout cas, et ça, en tout cas, ça a l'air d'aller pour l'instant, donc on verra plus tard. Allez, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.